partir de 15 ans, j'ai commencé à jouer de l'accordéon. Mon papa avait un accordéon diatonique, alors je m'amusais avec ça. Et puis après, je me suis mis à faire quelques balles. Après, j'ai acheté l'accordéon chromatique et je me suis lancé comme ça. Et tu t'es lancé tout seul ? Tout seul, j'ai débuté tout seul. On faisait des balles clandestins à l'époque, c'était pendant la guerre, c'était interdit. Alors on se camouflait dans les granges isolées, dans les campagnes. Et quand on joue de la musique en ayant un peu peur d'être surpris par les gens ? Oh ben non, on n'avait pas peur, ça marchait quand même. Oui. Non, on était courageux à l'époque, on était jeunes. C'est un peu tout, valse, java, tango, mazurka, scottish, et tout ce qui se dansait à l'époque. Après, quand j'ai su jouer un peu, je suis parti avec un autre musicien qui m'a perfectionné un petit peu. Enfin, il s'appelait Sol Belmir. Il était un peu plus âgé que moi et il jouait. Après, on s'est mis à faire les balles tous les deux, là, avec un batteur que nous avions, c'est tout. Et sur la vieillesse, là, je me suis remis à jouer un peu d'accordéon. Après, je me suis lancé, je suis allé à le folklore, il y avait la bourrée de la Tonquière qui s'appelait, c'était le folklore. Je suis mis à jouer à le folklore. On a monté un petit orchestre à 3 ou 4 vieux que nous sommes là, et on fait danser les jeunes après 50 ans. Quoi. Moi je le fais danser comme dans le temps, les mêmes danses à peu près. Il y a toujours la java, la valse, le passo, la rumba, et puis les trucs folkloriques. Les mazurkas, les valsoviennes, un tas de trucs là. Les bourrées aussi. Les bourrées, ah, pas mal de bourrées. Si on est à la région de la bourrée, à la limite de l'Auvergne, là, les bourrées ils sont dans le coin. Là. Ça ne peut pas faire mal sans bourrée. Et qu'est-ce qu'il y a comme musicien qui joue avec toi dans ces bars ? Eh bien, on est deux accordéons, une cabrette et une batterie. Voilà. On est 4 retraités là, on s'amuse comme ça. Pour passer notre temps. Et tu trouves beaucoup d'engagement quand... Ah ben oui, il y en a pas mal. Dans le coin, on ne se déplace pas. On est juste dans la région là. On va s'arrêter là. Je te remercie. C'est bon, on ne peut plus rien faire maintenant.